va pas le faire. Le matin, je vais boire un coup. En même temps, je finis cette semaine. Parce que comme ça, j'avais le portage déjà dit, bon, vers la droite. Voilà. On va prendre ça en fait, les gars. Est-ce que nous n'avons pas un métier formidable, saltimbanque? C'est formidable. Voilà, c'est pour faire rêver les gens, pour partager plein de trucs avec vous. Quelque part, c'est pour vous dire qu'on vous aime, voilà. Je vous aime, bon, je vous le dis à ma façon, voilà. Je vous aime, merci beaucoup pour tout. Maintenant, on peut rentrer chez nous. Ça va, les gars, on est... Non, non, je vous aime et je vous reste. Et je reste, donc... Et je vous reste aussi. Je vous reste fidèle, c'est ça que je vous le dis. Voilà. Alors. C'est formidable. Merci beaucoup, Bernard, pour... Je sais. Et c'est très luxueux, hein, le petit tabouret ici, comme ça. Je voudrais quand même rappeler quelque chose. Je voudrais remercier Claudine, Jean-Marc, tout le monde, toutes les personnes qui nous accueillent ici aujourd'hui, parce que vous savez qu'à notre époque, ça paraît anodin comme ça, mais quelqu'un qui accueille des jeunes qui n'ont pas beaucoup d'expérience, parce que ça aussi, il faut le dire, il y a 6 mois d'ici, à Brian, à Seb et tous les autres, eh bien, ils n'avaient même pas idée qu'ils étaient capables d'aller sur scène pour chanter. Vous avez vu aujourd'hui le boulot qui a été fait là. C'est extraordinaire. Merci à vous. C'était pour eux. Merci. Bon, moi, j'en parle toujours comme ça parce que je les aime aussi. C'est normal. Bon, on fait plein de choses ensemble et tout ça. Donc, hein, même que Fernand se cache là-bas dans un coin, il croit que je ne le vois pas, je l'aime quand même. Mais voilà. Bravo, Fernand. Voilà, donc, voilà, c'était pour vous dire ça, simplement. Alors maintenant, on va peut-être poursuivre avec... Comment ? J'ai entendu un titre. Qui a dit un titre ? Attention, on joue pas fort, hein, les gars. Non, pas maintenant. En même temps, c'est vrai. Je vais vous interpréter une chanson qui s'appelle... Regardez, ils sont tous là. Qu'est-ce qu'il va nous sortir, ce type l'univers de Kimi. Parce que je vais vous dire qu'on va pas se la faire longue aujourd'hui. On va pas vous faire la totale, machin, parce que, bon, je sais qu'il y a... Mais si, non, mais attendez. Ah oui, non, on peut pas. Jean-Louis, là, il aime bien les rats. On fait les rats. Ça s'appelle les rats. C'est pour parler parfois de la condition humaine, parce que parfois il y a des hommes qui se conduisent comme des rats. Et moi, j'aime pas les rats. Les rats se déguisent, parfois même en chat, pour que dans la nuit grise, on ne les voit pas. On les entend rire, longer les murs à petits pas. Et quand le jour arrive, alors dans leur trois, ils retrouvent leur famille, parce qu'ils n'ont pas le choix. Et ils retrouvent leur famille, parce qu'ils n'ont pas le choix. Un jour, un bateau, dans des bruits chauds, alors ces salauds, le navire, ils n'ont pas peur de l'eau, pas plus que de trahir. Ne leur tourne pas le dos, tu pourrais en mourir. Ils ne sont pas manchés quand il faut faire souffrir. Ils ne sont pas manchés quand il faut faire souffrir. Ils te donnent leur chemise, c'est qu'elle pue la fleur.
leur vie est horrible. Ils l'ont dit frère ou dit soeur. Et s'ils trouvent une chantille, ils les pingouent pour lui couper le cœur. Ils regardent l'avenir, et ils n'ont pas peur. Les rats